Et le tournoi continue donc avec un match qui va opposer K.I. Maître avec Sagat. K.I. qui est un joueur de Guilty, non, je crois, à la base. C'est quelqu'un qui m'avait fait remarquer que K.I. et Ichi, c'était deux joueurs de Guilty Gear, je crois. Hein, je crois que c'est ces deux-là. Hein. Et en fait, c'est même pas du tout K.I. qui joue tout de suite, K.I. jouera après. Celui qui joue avant, c'est la Blanca en maître. Alors voilà, ce Blanca-là doit laver l'honneur de tous les Blancas de bouse que j'ai commenté lors du dernier tournoi. Insupportable d'avoir commenté des Blancas aussi mauvais. Je te veux un Blanca de la muerte, là. Allez, montre-nous ce que c'est faire, Blanca. Et c'est quand même bien parti, là, pour Blanca qui a bien géré. Voilà, un petit rolling dans la tête de Chun-Li. Allez, c'est parti. Elle a chopé dans le vent, Blanca. Il reprend un peu de distance. Il charge, voilà, allez, une attaque dans la saving. Ça s'arrête. Ah, le Hexiakuka qui passe dans le vent de Chun-Li. Allez, voilà, ce gros pied. Ça, c'est une trap chop, c'est normal. C'est bien fait, allez, c'est chopé. Et bien joué, là, les espèces de rolling kick. Ah, ça garde ça. Et non, évidemment, il peut pas garder. Chun-Li, évidemment, envoyé l'ultra au bon moment. C'était bien joué de la part de Chun-Li. Allez, une ultra de Blanca. Ça, c'est l'ultra, ça n'a que pour but de gratter l'adversaire, et voilà, et deux rolling, et Blanca qui remporte ce round, hein. L'ultra de Blanca, c'est une ultra du grattage, hein. C'est pas autre chose, hein. C'est très très rare quand même qu'elle réussisse à toucher en entier. En revanche, elle fait quasiment aussi mal dans la garde que quand vous la prenez dans la tête, donc c'est pas grave de toute façon. Allez, voilà, Blanca qui se fait un peu prendre sur ce gros point là en l'air, qui essaye de sortir du coin, et un peu trop reculé là, Blanca. Se retrouve un peu coincé, se fait bourrer, voilà, un trap shop qui lui permet de reprendre l'attaque. Allez, voilà, on tourne autour, bien joué, encore la chope à la relever. Ça, c'est très agaçant, ça, quand vous prenez ça. Voilà, un saut vertical, et voilà, c'est bien joué, ça, encore, de la part de Blanca, le moyen kick suivi de l'électricité. Saving, il dash en arrière, ça a touché dans la garde, très lucide le Blanca, il rechoppe encore la Chun-Li. Allez, va repasser en avant. Bien joué cette petite rolling qui permet de passer dans le dos. Encore ce fameux, hein, medium kick suivi de light punch. Ça, c'est très 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 efficace aussi. Voilà, encore ce petit coup là qui va te chercher très loin. Et medium punch qui finit le saut de Chun-Li. Ça aussi, ça va gratter un peu loin l'adversaire. Et victoire de Blanca. Voilà, bah ça, c'est un Blanca appréciable. De toute façon, c'est toujours très difficile de faire quelque chose de constructif avec Blanca. Tous les pressings de Blanca sont basés sur de la mythomanie quasiment, et sur le fait que l'adversaire n'est pas capable de lire les actions de Blanca assez vite. Voilà, c'est en fait sur le temps de réaction de l'adversaire que Blanca joue le plus souvent. C'est ça qui fait le plus mal. En fait, vous lancez des attaques, des fois ça fait un hit, des fois ça fait que deux hits. Avec Blanca, vous savez, on sait jamais, on sait pas trop souvent ce qui se passe quand il vous enchaîne dans la garde. Et du coup, vous faites des petites feintes, des fois vous attaquez, des fois vous chopez, et vous mettez à mal, voilà, le temps de réaction de votre adversaire. Et voilà, le match que j'ai annoncé, K.I. versus Guile, K.I. qui est master, donc maître, face à un Guile no name, donc encore un Sagat versus Guile. On avait vu le match de Masatsugu, et K.I. qui doit un peu laver l'affront, qui va montrer à Masatsugu comment qu'on fait pour battre un Guile. Allez, c'est parti. Enchaînement de Tiger Shot, évidemment, hein, on applique le versus. Ah là, évidemment, encore un Tiger Shot fait à mauvaise distance. Gros point, Guile qui s'en sort très bien. Par contre, il se prend un enchaînement de light. Et voilà, c'est la différence entre un grand, grand Sagat et un bon Sagat. C'est que ces petits enchaînements de là, eh ben, ils font pas combo avec les bons Sagat. En revanche, avec les grands, grands Sagat tels que Mago, Guile, là, il avait déjà plus de barre de vie. Il attend un peu. Que Guile vienne le chercher. Il a pas tort. Allez, enchaînement Tiger Shot, ex Tiger Shot. Allez, Guile, viens là, viens par ici. Et qui enchaîne des Sonic Boom, qui évidemment en avance à l'énergie, qui a pas trop de raison d'aller attaquer Guile, qui va sûrement se faire un peu surprendre seulement, hein, on vous l'a dit. Avec Sagat, un combo et c'est fini. Elle prend des risques là quand même, Guile. Reste dans ton coin. Spam du Sonic Boom. Va pas chercher l'animal. Évidemment, voilà, t'es par terre. L'animal est lancé. Et enchaînement Tiger Shot en bas. Tiger Shot encore. Hein. Elle se prend avec ce Sonic Boom. Guile qui saute au-dessus du Tiger Shot. Ex Tiger Shot. Voilà, dash avant Tiger Shot. Essaie de récupérer de la distance. Faut aller chercher. Il reste plus que 20 secondes là, Guile. Il faut absolument aller chercher Guile. Tu peux pas rester dans ce type de versus là. Voilà, Tiger Knee, voilà. Putain.
putain, c'était bien joué ce Shoryu cancel. Mais les vigilants, voilà, ça passe. Et voilà, encore une fois. Encore une fois, c'est raté. Le combo raté de Kei. Et Gaël qui l'emporte sur un somersault. Voilà, bien joué de la part de Gaël qui passe directement à 4 hits combo d'entrée de jeu. C'était très mauvais le Tiger Shot d'entrée là de Sagat. Voilà ce combo là, Balai Kick, Balai Kick, Balai Punch Shoryu. Et un petit peu piffé le somersault à la relevé, mais ça a touché quand même. Et en attendant, c'est encore Gaël qui se fait la course en tête. Et bien parti, voilà, Tiger Kick, ça touche. Allez Gaël, il faut aller dans la... Faut aller en avant Sagat, là, faut aller en avant. Voilà la saving. Le Shuriken, ça touche, extraordinaire. Attention, Gaël qui se protège, hein, et encore un somersault pas très bien jugé. Oh là 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 là, c'est moche là. Mais ça touche. C'est moche, mais c'est bien joué. On vous le dit, hein, à la relevée, un pif quand ça passe pas, c'est un pif. Quand ça passe, c'est un mind. Et là, c'est passé. Sagat, donc, à voir encore, à chercher Gaël pour remporter ce round. Voilà, bien joué. Oh là là, il refait encore la même phase, hein. Gaël est attentif, hein. C'est bien joué, hein, quand même, de la part de Gaël, qui va quand même chercher l'adversaire de temps en temps avec des bains medium kick, des sauts high kick. Petit fut. Allez, Sonic Boom. Regarde les deux adversaires. Et vous voyez, il est encore cassé la garde là, Gaël. Il est encore allé chercher Sagat. Et c'est lui qui fait l'attaque alors qu'il est pas. Alors qu'il est en avance à l'énergie. Qu'est-ce qu'il fait là, Sagat? Il a décidé, voilà, il va gratter. C'est très difficile pour Gaël de lancer quelque chose, de créer un jeu constructif là-dessus. Évidemment, voilà, la Sagat qui a caracancelé un avant médium, un avant light kick. Oh, c'est dommage! Oh, c'est très 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 dommage de se prendre ça. Gaël qui s'est pris un Tiger Shot et donc victoire de Kei. Et voilà, Kei qui a fait un saut médium kick, qui fait double touch sur le somersault. Et voilà. Là, ça va être peut-être un peu plus favorable à Sagat. Voilà le Shoryu, évidemment, qui a fait double touche, qui a permis de placer high kick et encore un Tiger Shot. C'est horrible, c'est horrible. La saving. Ah, ça a touché, c'est dommage. Il aurait pu tenter une attaque Kei. Il reste pourtant à distance là. Il n'a pas spécialement envie d'aller chercher. Voilà, bien joué de la part de Gaël. Allez, une fine de saving, la chop. Allons, bon, bon, bon. La saving, ça touche. Allez, pouf, l'ultra. Bien joué. Très, très bien joué de la part de Gaël. Et voilà, ça touche. Dommage qu'il y ait autant de damage reduce. Sonic Boom, la tentée de calculer la garde. Kei s'est bien protégé. Ex Tiger Shot, Tiger Shot, Tiger Shot. Ex Tiger Shot. Oh là 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 là, c'est incroyable que ça gâte. Encore l'avantage. Voilà, bien joué de la part de Gaël. Bien joué le somersault. Ah, on sentait, hein, quand même que Gaël a pris l'avantage sur tout le match. Et finalement, que ce deuxième round a été perdu un peu. Sur un malencontreusement, j'ai envie de dire. Il a été encore à l'avantage de Gaël. Et donc Gaël qui remporte ce match. Et Kei qui n'a pas lavé l'affront. Visiblement, les Sagat ont très très peu de chance face au Gaël lors de ce tournoi. Et c'est pas plus mal, hein. Moi, on voit de Sagat, mais on se porte. N'ai-je pas raison? Non, 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 bien sûr que non. Les très bons Sagat, c'est jouissif. Là, Kei n'a pas vraiment montré le meilleur de lui-même, à mon avis.